L'ange numéro 11, l'Ovia. Il régit du 11 au 15 mai. Il est l'ange de la victoire. Il nous enseigne que le véritable succès ne dépend pas uniquement des résultats extérieurs, mais des qualités et des vertus qu'on développe en soi avant tout. Il nous aide à transcender les besoins de gagner, les peurs de perdre, en comprenant que la véritable victoire peut toujours se vivre à l'intérieur quand notre objectif est de nous améliorer. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Victoire. Renommée, célébrité, réussite. Expertise. Vie de dévouement. Altruisme. Bonté, gentillesse. Reçois la lumière de Dieu. Confiance, enthousiasme, joie. Réussite des initiations. Amour exalté pour l'œuvre divine. Entreprise utile et profitable pour l'humanité. Peut tout obtenir des grands de ce monde. Organisation cosmique. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Difficulté à réussir, à avoir du succès. Échec. Joue des rôles pour plaire. Manque d'authenticité. Hyper-positivisme. Focalisation excessive sur la renommée, la célébrité, la notoriété ou tendance à les rejeter et à se contenter d'une vie médiocre. Vise trop haut ou trop bas. Envie, jalousie, orgueil, calomnie. Utilise la ruse pour réussir. Extravagance, ambition, avidité de pouvoir. Matérialisme excessif. Veut jouir uniquement des ressources physiques. Débordement émotionnel.
dépendance affective. Manque de confiance ou difficulté à avoir confiance en autrui. Œuvre perverse. Foudre, réprimande de l'intelligence cosmique. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Accusation. Calomnie. Célébrité. Renommée. Enthousiasme. Manque d'enthousiasme. Entorse. Foudre. Jalousie. Joie. Optimisme. Orgueil. Douce pensée angélique.